Donc pour commencer un peu, donc oui, donc ce que j'avais dit sur Etika, c'est que donc on a une ASBL qui a 20, 23 ans, 24 ans, on va bientôt fêter nos 25 années, donc on est relativement déjà ancien dans la société civile luxembourgeoise. Et qu'on s'était intéressé, quand je dis on, c'est les membres fondateurs. Donc, je peux citer parmi les membres fondateurs, il y avait le Cercle des ONG de développement, il y avait aussi l'association de promotion de la biodynamie qui est depuis devenue le BioLetzebuyers. Il y avait aussi la Fondation Caritas, l'Action Solidarité Tiers-Monde. Et le Stiftung Ökofonds, qui était donc la fondation qui était dépendante du mouvement écologique, bon, parmi toutes ces organisations, l'objectif était de promouvoir un système d'investissement accessible à la population résidente au Luxembourg qui permettait, à travers un mécanisme simple, donc un compte d'épargne, d'investir directement dans l'économie luxembourgeoise et pas n'importe quelle économie, une économie plutôt durable et plutôt locale. Et donc, depuis 25 ans, on a fait ça avec principalement un partenaire financier qui est la Sparkasse, donc la Caisse d'épargne luxembourgeoise, qui est, comme vous le savez, l'unique banque dont le centre de décision est au Luxembourg. Bon, ça, c'est pas, il y en a d'autres, hein. Il y a aussi la banque Raiffeisen, il y a aussi la banque Fortuna, mais qui en plus est dont l'actionnaire unique est l'État. Donc, il y a une banque à la fois 100% publique et à la fois donc 100% sous le contrôle de l'État. Et donc l'idée, c'était de développer un petit mécanisme d'épargne dite alternative qui permettait donc aux personnes d'ouvrir un compte et de soutenir l'économie locale luxembourgeoise dans le domaine de la durabilité. Et donc, bon, après cette petite introduction, on va vraiment passer justement sur le contexte historique. Donc voilà, donc, dans le sommaire, on va d'abord voir pourquoi aujourd'hui plus que jamais et pourquoi historiquement ces caisses ont un intérêt dans un contexte de crise financière comme dans un contexte d'économie normale. Qu'est-ce qui différencie les banques sociales et éthiques aujourd'hui par rapport aux banques mainstream ou aux banques universelles qui correspondent à l'énorme majorité des acteurs du secteur financier aujourd'hui, exclusion faite des fonds qu'on ne va pas vraiment aborder aujourd'hui, donc des fonds de type BlackRock, etc. Et en fait, pourquoi on a besoin de ces banques citoyennes dans un contexte Covid, donc aussi bien dans un contexte de crise sanitaire, mais comme vous le savez, cette crise sanitaire va développer des crises sociales, des crises politiques, etc. Et donc, pourquoi aussi on doit s'y intéresser? Donc, je répète encore une fois, si vous avez des choses qui ne vous semblent pas claires, n'hésitez pas à m'interrompre, on est peu nombreux. Donc, s'il y a une ambiguïté, il y aura de toute façon une séance de questions-réponses derrière. Je pense que c'est important d'abord, voilà, vu qu'on est peu nombreux, d'éclaircir tout de suite ces questions. Alors, pour l'histoire, il faut donc savoir que voilà, la finance sociale démarre, vous savez, les premières banques, hein, telles qu'on les connaît aujourd'hui, ça, les premières banques démarrent, on va dire, au 16e, non, plutôt, je raconte des bêtises, au 15e, 16e siècle en Italie, où voilà, les échanges marchands s'intensifient et donc on a besoin déjà à cette époque, d'avoir, outre la monnaie traditionnelle, donc les pièces de monnaie dans la poche, à l'époque les billets de banque n'existaient pas aussi, mais on avait aussi besoin d'une monnaie scripturale, donc une monnaie papier, dans la mesure où quand vous aviez des échanges entre deux régions ou deux pays, ce n'était pas toujours prudent d'échanger de l'or et de l'argent. Donc il y avait déjà à l'époque des organismes qui permettaient de faire des transactions autres que matérielles. Et donc, les premières banques sont apparues dans l'Italie pré-Renaissance, etc. Mais les premières banques sociales, on peut vraiment les situer avec la création donc, des caisses Raiffeisen dans le 19e siècle en Allemagne. Raiffeisen, donc le fondateur de ces caisses, il était parti justement sur une zone rurale en Allemagne et il avait fait le constat suivant, c'est-à-dire que bon, la majorité de la population, comme vous le savez, dans l'Europe, c'était une population
paysanne, a fortiori dans une zone rurale. Et ces paysans étaient amenés parfois à emprunter de l'argent, soit pour acheter du bétail, soit pour acheter du matériau agricole, mais n'avaient pas toujours la possibilité d'avoir assez d'argent pour le payer. Donc, ils faisaient appel à des emprunteurs. Et c'est là que ça coinçait parce que la majorité des emprunteurs disponibles, c'était exclusivement une catégorie, c'était des usuriers, qui étaient, comme vous le savez certainement, l'unique profession qui était accordée aux Juifs. Donc après, il y a toute l'histoire concernant l'antisémitisme, bon, le juif usuraire. Donc vous savez qu'un usurier, c'est quelqu'un qui va vous prêter de l'argent, mais avec un taux extrêmement élevé. Et donc effectivement, ce qui se passait, c'était que au lieu d'avoir un taux, allez, on va dire aujourd'hui, même si les taux sont très bas, de 2 ou 3% pour un crédit, vous aurez à payer un taux de 15 à 20%. J'entends un écho là, je sais pas, c'est très bizarre. Allô? C'est bon, j'ai coupé. La bonne nouvelle, c'est qu'Ecart a réparé son son. Parfait, bonne nouvelle. Mais peut-être que vous avez un problème en fait. Quand Jean-Seb répare enfin, entend le signal, il carte. Vous êtes connectés, les gars. Jean-Seb, tu reviens ou je ne sais pas ce qu'on fait. Sais pas quoi vous dire, c'est la première fois qu'on a un truc comme ça. Donc, D'habitude, ça marche super bien, Zoom. J'ai jamais vu D'habitude, ça marche magnifiquement bien. ça. On... Tout à fait, ouais. On ne sait pas quoi vous dire. Les autres groupes ont l'air de très bien marcher. Tiens, Antonine, peut-être que les autres groupes bug aussi. Oui, Jean-Seb a déjà beaucoup d'expérience avec ça, normalement. Ah, pardon. Il a toujours fait. Désolée, j'avais pas mon micro. Marine, j'arrive pas à enregistrer parce que j'ai besoin de l'autorisation du host. Ok. Donc, je sais pas qui c'est. Voilà. C'est bon? Oui. Ok, merci. Tu peux me renvoyer dans la roue? Renvoie-moi, Star Trek. Au revoir, Antonine. Non, tu l'as quitté. Merci. Si, tu peux remettre Marine, ça, c'est pas un souci. Est-ce Ok. que tout le monde m'entend bien? Oui. Est-ce qu'on peut recommencer? Enfin, est-ce que je peux reprendre là où j'avais arrêté l'exposé? Ok. Donc, pour faire un petit résumé, donc voilà, Raiffeisen, qui a ensuite été bien copié par d'autres. D'ailleurs, à la fin, je vous enverrai une liste de liens pour les personnes qui se sont intéressées pour ces questions-là. Donc, c'est le premier qui a mis en place donc un système de mutualisation. Donc, au lieu de faire appel à un usurier, ben, la création d'une caisse Raiffeisen, ben, qui existe toujours et à Luxembourg et en Allemagne et dans d'autres pays, est restée à peu près le même. Grosso modo, sauf peut-être sur le côté coopérateur, et ça c'est très important, mais j'y reviendrai plus tard. En clair, donc vous mettez en commun une population qui a une épargne faible ou moyenne, voire nulle, et donc vous faites un pot commun. Et quand vous avez une personne qui demande un crédit, le crédit va être et le risque lié à ce crédit va non plus être assumé par une seule personne qui sera l'usurier, parce que c'est vrai que l'usurier va se rémunérer très cher, mais c'est aussi parce qu'il prend à 100% du risque de votre prêt. Si vous prenez une caisse d'épargne Raiffeisen, du coup, vous avez bien sûr, vous n'allez pas mettre 100% du capital de la banque, donc de l'épargne de vos déposants sur un seul crédit. Vous allez le diversifier et puis ensuite vous allez aussi l'évaluer. Ce qui fait que vous avez quand même un peu plus de moyens de gérer l'argent de vos épargnants et de permettre aussi de prêter donc à des preneurs de crédit qui sont donc majoritairement des paysans à des taux, on va dire, un peu plus bas qu'un taux usuraire. Et donc le système a fonctionné tel qu'il a. Donc il a fait tache d'huile sur toute l'Europe. Il est même allé au-delà du secteur rural puisqu'il a aussi inspiré donc des caisses ouvrières dans les villes. Et d'ailleurs, une des plus grandes caisses, une plus grande banque sociale qui est toujours en activité au Canada, s'appelle la Caisse des Jardins. Elle a été fondée au début du XXe siècle sur
sur ce domaine-là, donc pour accompagner justement le mouvement ouvrier. Comme vous savez, le mouvement ouvrier, ce n'était pas uniquement des revendications syndicales qui demandaient aux patrons des meilleurs salaires, de limiter ou d'éradiquer complètement le travail des enfants, etc., etc. Ça a été aussi accompagné de toute une économie de coopératives, etc. Et parmi ces coopératives, donc, il y avait des coopératives bancaires, dont la Caisse des Jardins, parce que c'était clair pour ces mouvements-là de se séparer des banques qui étaient pour la majorité donc, des banques qui appartenaient aux riches bourgeois. Et donc, ils avaient bien compris que pour être autonomes dans leur travail, dans leur commerce avec les coopératives, donc pour l'achat de biens de consommation, d'alimentation, de vêtements, etc., c'était mieux d'avoir à la fois donc aussi bien donc un syndicat pour les défendre à l'usine, mais aussi toute une série de commerces et donc des banques qui allaient être donc gérées suivant les mêmes principes, donc non pas une action égale une voix, mais un homme égale une voix, et qui allaient donc servir l'intérêt général. Et donc à l'époque, ben, l'intérêt général, c'était avant tout l'intérêt de la classe ouvrière, hein, puisque vous savez qu'il y avait bon, parmi les personnes actives dans la population du 19e et du 20e siècle, c'était majoritairement donc des paysans dans le secteur dans les zones rurales et des ouvriers dans les zones industrielles et ouvrières. Et donc, il y a eu tout ce mouvement-là qui a émergé, qui a cru. Ensuite, après, là, je fais une accélération de l'histoire. On arrive à peu près aux années 70-80. Et donc, tout ce mouvement coopératif, c'est un peu essoufflé, il faut le dire aussi. Il y a eu des banques qui s'appellent mutuelles ou coopératives qui ont petit à petit abandonné le principe un homme égale une voix pour devenir plus traditionnel avec une action égale une voix. Il y a eu beaucoup de pertes et en même temps, dans le début des années 70, vous avez eu la résurgence sur des aspects plus écologiques que sociaux, des banques qui se sont créées comme la Triodos aux Pays-Bas, qui ensuite émergé aussi en Belgique, en Allemagne, etc. Vous avez eu la GLS Bank, la Gemeinschaft Bank en Allemagne, la NEF en France, etc. Donc la Caisse des Jardins au Canada. Bon, la Caisse des Jardins, début du XXe siècle, mais la plupart des autres banques modernes sociales ont été fondées dans les années 70, années 80. Donc, pour revenir un peu aux bases, c'est-à-dire déjà à l'époque, ils constataient que le secteur bancaire ne correspondait plus vraiment ne répondait plus vraiment à la réponse de l'intérêt général, qui avait déjà effectivement une économie financière qui prenait le pas sur l'économie réelle. Et donc ces banques-là se sont dit, bon, ben, nous, on va revenir justement pour une banque qui revient vraiment sur les questions qui nous intéressent, c'est-à-dire on investit, je passe à la slide suivante, vraiment dans l'économie réelle plutôt que dans l'économie financière. Sachant que encore aujourd'hui, c'est quand même, et particulièrement en période de crise, même s'il y a des forts, comme vous le savez, des forts variations, parfois très brutales, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, l'économie financière est extrêmement attractive justement pour les personnes qui vont spéculer. Donc, pas les personnes qui vont acheter une action ArcelorMittal et la garder 20 ans en placement de bon père de famille, mais pour des personnes qui vont acheter 10 000 actions, voire 100 000, voire 1 million d'actions ArcelorMittal et qui, pendant l'équivalent d'une seconde, vont l'échanger, la revendre, je ne sais pas, plusieurs centaines, voire milliers de fois. Hein. Aujourd'hui, vous savez que avec le trading à haute fréquence, vous pouvez spéculer à la nanoseconde. Donc, vous avez ces banques citoyennes des années 70 qui se sont dit, nous, on va privilégier l'intérêt dans l'activité de l'économie réelle et plus particulièrement, si on peut, privilégier aussi donc l'économie durable. Donc c'était principalement déjà investir dans les énergies renouvelables, dans les activités qui étaient à basse intensité carbone, puisque bon, vous savez que c'est aussi le début des années 70, le début du Club de Rome, qui mettait déjà en question les questions de la croissance infinie impossible dans un monde fini, etc. etc. Donc il y avait déjà cet aspect-là qui était en jeu. L'autre aspect qui était important, c'était que la banque citoyenne par rapport à la banque mainstream ou universelle,
Donc, quand je parle de banque mainstream, donc vous avez compris que c'est les banques majoritaires. Et quand je dis universelles, c'est-à-dire qu'elles ont à la fois donc, cette activité de banque de dépôt qui va intervenir dans l'économie réelle d'un pays, soit au niveau national, mais c'est souvent international. Et le plus grave que ça, c'est que c'est aussi des banques qui vont mélanger donc, des activités de banque de dépôt avec l'argent de monsieur tout le monde, avec des activités de banque d'affaires et de banque de marché. Et ce qui nous a donné l'épisode 2008, subprime, etc. Bon, voilà. Donc, ça, c'est une très forte différence d'une banque, une banque sociale, une banque citoyenne, c'est de dire, nous, on va vraiment, autant que possible, investir dans l'économie réelle d'un pays et autant que possible, investir dans l'économie durable de ce pays. Quitte à, effectivement, proposer des rendements moins intéressants parce que, encore une fois, je le répète, crack boursier ou pas, l'économie financière propose, les marchés financiers proposent généralement des rendements bien plus attractifs sur le court que sur le moyen terme que dans l'économie réelle. Donc, deuxième grosse différence, nous, on intervient non seulement dans l'économie réelle, mais surtout sur un territoire qui est défini. Donc, la plupart des banques sociales sont sur un pays et n'ont pas de volonté de devenir des multinationales comme Deutsche Bank, Société Générale, UBS, etc. Autre grande différence de ces fondateurs, c'était de dire, nous, on veut autant que possible un modèle où les clients de la banque auront un choix dans les stratégies de la banque. Alors, ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Triodos, c'est une société anonyme. Mais vous avez dans la GLS ou la NEF, quand vous êtes client, vous devez au minimum acheter une part de cette banque et ça vous donne le droit d'intervenir à hauteur donc de un homme égale une voix aux assemblées générales. Donc là déjà vous avez une démocratie beaucoup plus complète et qui est beaucoup plus complexe aussi à mettre en œuvre hein, parce que c'est sûr c'est beaucoup plus facile d'avoir un dollar égale une voix ou une action égale une voix parce que vous avez du coup comme vous le savez dans les banques universelles vous avez un actionnariat qui est certes très diversifié mais enfin vous avez quand même avec quelques très gros investisseurs, que ce soit des investisseurs privés de type milliardaire ou des investisseurs institutionnels comme certains fonds, bon, vous avez grosso modo quelques milliardaires et quelques fonds qui pèsent très lourd, qui vont faire la loi dans les banques, qui vont déterminer quelles sont les priorités d'investissement, etc., etc. Donc ça, c'est encore une grosse différence avec une banque citoyenne qui, même sous forme de SA, s'est donné des statuts qui va lui dire « nous, on veut privilégier ce type de secteur, etc. » Autre grosse différence fondamentale, c'est l'échelle des salaires dans la banque. Entre le salaire le plus bas, c'est-à-dire la personne qui va s'occuper de la sécurité ou de faire le ménage, et le PDG, dans les banques citoyennes, vous avez une échelle limitée de 1 à 5, 1 à 6. Alors que dans les banques mainstream, évidemment, vous avez des facteurs 50, 100, voire 500. Bon. Et encore là, je ne parle que du salaire, je ne parle même pas des primes. Et des stock options, etc., qui ont souvent incité ces dirigeants à aller contre même les intérêts de leur propre employeur. Donc, bon. Autre grosse différence fondamentale, bien sûr, c'est la transparence sur la politique d'investissement, puisque donc les fondateurs des banques citoyennes se sont dit, nous, on veut que nos clients sachent comment nous travaillons. Alors, ça veut bien sûr dire qu'ils ne vont pas divulguer, si vous êtes client de cette banque, ni votre identité, ni ce que vous avez sur votre compte, ni si vous avez acheté ça, c'est clair, ça n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la transparence sur comment l'argent de la banque, c'est-à-dire les fonds propres de la banque, plus l'épargne des épargnants, est investi dans quel secteur, avec quel type de risque, sur quelle zone géographique, etc., etc. Les services bancaires proposés aussi sont très différenciés. Généralement, quand vous allez dans une banque sociale, vous avez peut-être un compte courant, pas systématiquement, mais en tout cas, vous avez un compte d'épargne, ça c'est le minimum, et peut-être quelques autres produits de placement. Mais quelque chose de très très simple, donc qui généralement peut se faire comprendre assez vite. Et donc les produits d'investissement que j'ai générés, c'est soit effectivement donc des produits ultra basiques comme des comptes d'épargne, soit pour les plus avancés comme la Triodos, vous pouvez aussi acheter des fonds d'investissement qui sont des fonds Triodos, mais donc avec des critères évidemment de durabilité infiniment plus costaud que les autres fonds divers ou éthiques des banques mainstream qui aujourd'hui en proposent aussi. La différence fondamentale, et ça c'est, vous l'avez bien compris, c'est que là dans la banque sociale,
vous allez avoir relativement peu de produits et tous ces produits vont répondre à des critères de durabilité et il n'y a pas de discussion. C'est-à-dire qu'il y a déjà des critères d'exclusion qui sont incontestables, comme pas d'investissement dans les armes, pas d'investissement dans l'énergie fossile controversée. Et puis ensuite, petit à petit, vous allez avoir, en fonction des investissements, pas d'énergie fossile du tout. Généralement, c'est la plupart des banques citoyennes, bien avant Kyoto, etc. On dit, nous, on veut absolument éviter de refaire une chose d'une banque mainstream en version moins pire. Et enfin, et ça c'est le problème, aujourd'hui, c'est qu'évidemment que l'influence de ces banques citoyennes sur une économie d'un pays, elle est marginale. Même des très grosses banques comme Triodos aux Pays-Bas ou Geles en Allemagne, si vous la comparez même à une banque régionale moyenne comme une banque régionale d'un land, leur influence elle est très faible parce que vous avez... Évidemment, comme vous en doutez, déjà, vous n'avez pas une présence physique. La plupart de ces banques ont un siège avec quelques personnes, voire quelques dizaines de personnes pour les plus importantes. Donc, tout se passe par Internet. Alors, vous allez me dire aujourd'hui, oui, c'est normal, mais si vous remontez dans les années 70-80, il n'y avait pas encore Internet. Donc, il y avait encore des systèmes d'échanges postaux, etc. Bon, on faisait des virements en passant par une banque mainstream. Bon, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile avec Internet, mais à l'époque, c'était beaucoup plus difficile d'avoir une relation client directe uniquement avec un papier, enfin avec un courrier, quoi. Donc aujourd'hui, ça a un peu changé. Mais voilà, donc du coup, si ces banques-là citoyennes faisaient d'énormes bêtises et devaient se cracher, bon, elles n'entraîneraient pas une économie d'un pays entier, ce qui n'est évidemment pas le cas des banques universelle, puisque vous savez que les banques universelles, bon, il y en a 30 dans le monde qui sont qualifiées de systémiques, c'est-à-dire qu'elles ont un tel risque que s'il y en a une qui tombe par terre, elles peuvent entraîner non pas elles entraînent non pas une ou deux autres banques à qui elles travaillent ensemble, mais avec l'interconnexion du capitalisme financier aujourd'hui, elles entraîneraient toutes les 30 autres banques au niveau mondial avec elle. Donc là, on aurait un crash majeur. Et ça veut dire, dans le pire des cas, que même si vous aviez personnellement, je ne sais pas, par exemple, 10 000 euros sur votre banque à la Spurkis, et ben, s'il y a un crack qui arrive, un risque systémique d'une banque, par exemple HSBC, qui entraînerait toutes les autres, et ben, en l'espace de quelques jours, vous auriez beau avoir de l'argent, une carte de crédit et tout, vous ne pouviez même plus récupérer votre argent à un bancomat de la Spurkis. Donc ça, il faut bien se rendre compte que on a vraiment quasiment le jour et la nuit sur ces différentes banques. Et ça, c'est important de savoir que donc, aujourd'hui, ces banques citoyennes donc, continuent à travailler dans ce modèle-là, mais travaillent aussi dans un milieu qui, comme vous l'avez compris, n'est pas le milieu le plus favorable. Et on verra comment ça va se passer avec le post-Covid, mais il est certain que la vie de ces banques n'est pas facile parce qu'elles doivent faire face à des banques qui vont proposer des rémunérations bien plus attractives, parfois en plus sous le prétexte d'une durabilité, qui est parfois vraie, mais parfois pas vraiment discutable, mais surtout qui vont avoir une puissance de frappe bien plus importante, hein, puisque c'est quand même plus facile quand vous êtes client, même si vous n'allez pas à votre agence bancaire tous les jours, d'avoir un bancomat à proximité, etc., etc. Donc, on est vraiment dans un combat de David comme Goliath. Et maintenant, si je me place dans un contexte du Covid, on peut dire que ça pose différentes questions. Bon, il y a des choses aujourd'hui qu'on peut vraiment difficilement évaluer, qui sont donc l'évolution globale des marchés financiers, des politiques macroéconomiques. On voit qu'aujourd'hui, on est un peu dans le brouillard. Et que ce brouillard-là, il peut être l'objet d'une opportunité. Hein. Comme vous savez, la crise des Chinois détermine le terme crise en deux sens. Le sens danger, que nous, on connaît bien en tant qu'occidentaux, mais aussi le sens comme opportunité. On verra si cette crise sera l'opportunité aussi de développer ce que nous souhaitons, évidemment, avec toute la société civile de tous les pays, une économie plus
ouverte vers les besoins fondamentaux d'une population, vers l'intérêt général, ou si on va faire un business à joujol en version pire, c'est-à-dire avec une austérité, une récession phénoménale. Et donc, je dis ça parce que ça nous concerne aussi en tant qu'acteur de la finance sociale. Vous avez peut-être vu, le Liser a sorti une étude sur l'impact du Covid sur l'économie luxembourgeoise. Je mettrai le lien pour ceux qui sont intéressés. L'étude est en ligne. Et ils ont dit dans cette étude, et ça, j'ai été surpris, qu'il ne faut pas exclure que même si le Luxembourg peut s'en sortir mieux parce qu'il a effectivement des politiques sociales bien plus ambitieuses que ses pays voisins, que son endettement est beaucoup plus faible, etc., etc., qu'il ne faut pas exclure que le Luxembourg pourrait être frappé de manière très violente par une crise financière que nous ne voyons pas aujourd'hui, qui n'est pas sur les radars médiatiques, mais qui pourrait très bien se déclarer suite au confinement, au lockdown qu'on a connu sur la majeure partie des pays industrialisés. Donc ça, il faut bien se rendre compte que voilà, cette incertitude-là, il faut la prendre en compte, il ne faut pas faire de l'alarmisme, mais elle pourra aussi avoir une incidence forte, y compris sur la finance sociale, parce que c'est clair, comme je vous l'ai dit, s'il y a une banque systémique qui tombe par terre, elle va entraîner toutes les autres. Donc là, les dirigeants sont bien conscients de ça, et on a vu qu'à Lehman Brothers, c'était limite, parce que c'était une banque qui était à la limite d'entraîner les autres. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Mais aujourd'hui, on est dans une situation qui, par rapport à 2008, est bien plus précaire. Et aujourd'hui, on voit surtout l'aspect sanitaire et l'aspect économie réelle, avec des gens qui sont déjà au chômage. Mais il ne faut pas non plus oublier que derrière tout ça, il peut y avoir encore l'émergence d'une crise financière majeure. Par contre, ce que nous savons à court et moyen terme, c'est effectivement, comme vous l'avez vu, c'est qu'il y a maintenant une perturbation très forte sur l'économie réelle avec le lockdown, des perturbations qui vont bien sûr atteindre les questions politique, donc là, bon, je reviens sur ce qu'Eric a dit, avec le risque d'avoir effectivement des régimes autoritaires, populistes de droite très, très forts qui peuvent émerger, etc., etc. Mais bon, je crois que nous, ce qu'on peut juste dire sur, en tant qu'acteur de la banque sociale et de la capacité de l'émergence de ces formules, c'est qu'on ne va pas être là pour sauver, entre guillemets, être la solution unique. Par contre, les banques citoyennes comme Newbie, vous avez peut-être suivi, hein, donc la banque coopérative belge qui devrait commencer ses activités encore cette année, sont aussi l'opportunité justement de dire que dans le cadre d'une économie qui veut justement mettre le citoyen et l'intérêt général au centre de sa stratégie, on aura aussi notre mot à dire, et qu'il faudra donc à la fois s'adresser à la fois aux gens qui ne connaissent pas encore ce type de finance et aussi aux décideurs politiques et économiques pour que toutes les bêtises qui ont été faites jusque en 2008 et qui n'ont pas été corrigées malheureusement depuis 2008, il y a eu des corrections à la marge, mais aujourd'hui, le krach de 2008 peut très bien, sous une forme encore pire, se répéter. Donc, de demander une réforme financière globale pour justement qu'on puisse, aussi bien au Luxembourg qu'ailleurs, participer à la construction ou à la reconstruction d'un tissu social, etc. Et quand je dis reconstruction, ça peut être aussi, par exemple, en finançant ou en soutenant, c'est une idée que nous, on pousse à Etica, en soutenant, par exemple, l'idée d'une plateforme de crowdfunding ou de crowdlending. Hein, vous savez, le crowdfunding, c'est du don en ligne. Le crowdlending, c'est du prêt en ligne. Ben, vous avez, par exemple, aussi bien en Allemagne qu'en Belgique qu'en France, des plateformes, j'ajouterai les liens encore après, qui permettent à des personnes qui ont une certaine épargne de sélectionner des projets en fonction de leur origine géographique, en fonction de la personnalité des preneurs de projets, pour investir par exemple dans des coopératives comme Aoni, comme Terra, comme Eki Enercoop, etc., etc., en sachant pertinemment que quand vous investissez dans une coopérative, c'est du capital risque, hein. Donc évidemment, il ne faut pas investir tout. Mais par contre, vous avez aussi la possibilité, avec ce type d'investissement, d'intervenir directement dans l'économie locale d'un pays, de soutenir
Donc, des emplois dont vous savez qu'ils ne seront pas d'école délocalisée ni à Shanghai ni au Bangladesh, puisque on veut, c'est des emplois qui veulent justement servir une population locale à travers une production agricole, une production d'énergie renouvelable, etc. etc. Voilà. Bon, j'ai été très long, je m'en excuse. Et maintenant, je serai ravi de répondre à vos questions.